C'est Apple Fonsan et aujourd'hui, on se retrouve dans cette compétition du meilleur smartphone avec la première marque en B après une longue semaine d'absence. Voilà, l'arrivée, le retour plutôt de cette compétition avec aujourd'hui BlackBerry. Donc, on va commencer tout de suite donc avec le BlackBerry Curve 9380. Alors, déjà, c'est un BlackBerry. Donc, il est sous... Il coûte 195 euros. Donc, pour un écran de 3,2 pouces, c'est cher. Mais on sait que BlackBerry aime bien faire cher. Hein. Tout, c'est rare de trouver des smartphones BlackBerry quand même pas chers. Donc, voilà. Donc, faut pas espérer trouver un BlackBerry vraiment pas trop cher. Mais voilà où je suis pas là d'accord. Un BlackBerry 7, donc 2.0.2, la version. Pour moi, c'est un peu ancien, plus un prix qui est quand même bien exagéré. Là, je pense que ce Curve 9380, il est bien, mais un peu cher pour ce qu'il vaut. Donc après, ça ira très bien à un particulier qui se fiche un peu de tous les principaux aspects, qui s'en sert vraiment que pour téléphoner. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est trop cher, ce BlackBerry Curve 9380, mais il a quand même un joli design. Voilà, donc 11 sur 20. C'est vraiment une note pas très sympa, mais c'est mérité, je pense. On passe tout de suite au BlackBerry Torch 9860. Il coûte environ 330 euros, donc c'est plutôt cher quand même. Il a un écran de 3,7 pouces, c'est quand même pas un écran de 3,9 pouces, heureusement. Il est sous BlackBerry 7, mais version plus avancée, le 2.1.4. Donc, encore une fois, moi, personnellement, je trouve ça un peu cher, même pour un écran de 3,7 pouces. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est normal, c'est un BlackBerry. On sait que BlackBerry, au moment où tous ces smartphones sont sortis, là, eh bien, n'avait pas encore connu la crise qu'ils avaient, que je pense aujourd'hui, ils ont dépassé avec le Z10 et le Q10 qu'on parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je pense que BlackBerry a fait des prix un peu meilleurs, mais qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelques problèmes au niveau de ces quelques téléphones. Donc sinon, il est pas mal, il a un joli design. C'est pour ça que je lui accorde quand même une note un peu plus haute que le Curve 9380. Pour ce BlackBerry Torch 9860, je donne un 13 sur 20. Donc voilà, on passe tout de suite au prochain smartphone BlackBerry, donc qui parlera maintenant d'une autre torche, donc qui est un peu, c'est un peu quand même, comment dire, qui a le plus chez BlackBerry, voilà, il y a beaucoup de torches, de curves, de moins de Storm, mais il y en a pas mal aussi, donc voilà, donc voilà, donc justement, on va parler tout de suite du Torch 9810. Donc un BlackBerry dont le meilleur prix que j'ai trouvé était 387 euros. Un écran de 3,2 pouces, c'est là, j'ai pas compris. Ah non, non, ça, c'est incompréhensible, c'est pas normal, c'est... Non, non, non. Surtout sous un BlackBerry 7 2.1.4, totalement incompréhensible. Donc voilà. C'est pour moi un 8 sur 20. Parce que ça vaut rien du tout. Voilà. C'est... Il n'y a pas grand chose à dire. C'est beaucoup trop cher. 387 euros pour un écran petit. Hormis l'iPhone, la plupart des téléphones qui coûtent ce prix-là, c'est des écrans 4 pouces. Enfin, voilà. Donc, quand même... voilà. Donc, pour moi, c'est cher. C'est vraiment très cher. Et beaucoup trop cher, surtout. Donc voilà, surtout pour un BlackBerry 7 qui n'est pas non plus le tout dernier. Voilà, et voilà. On passe tout de suite au Storm 9500. Gros problème avec ce Storm 9500. 200 euros pour un écran 3,2 pouces. Donc là, encore une fois, c'est pareil, on en vient au même, c'est un 3,2 pouces, qu'est-ce qu'il fait à 200 euros alors que c'est quasiment le double du marché, vraiment normal.
voire même le triple. Donc là, c'est vraiment exagéré. Surtout le BlackBerry, comme normalement là, même sur l'autre, on a un BlackBerry 7. C'est ce qui a fait que j'ai donné au moins 5 points. Et voilà. Donc là, le Storm 9500 n'obtient pas les 5 points sur 20. Il obtient 1 sur 20. Tout simplement parce que c'est pas normal de mettre un vieux système d'exploitation dedans, dans un téléphone qui fait 3,2 pouces, et de le vendre 200 euros. Et je comprends là, quand je vois ces données-là, pourquoi BlackBerry est tombé en crise au bout d'un moment, parce que quand l'effet de mode qu'il y avait sur les BlackBerry est passé, il n'y avait plus aucune raison d'acheter des BlackBerry, hein. Quand la jeune génération qui voulait ce genre de téléphone est passée, s'en est remis à autre chose, il n'y avait plus de raison, quoi. Ces téléphones, ils sont chers. C'est comme aujourd'hui, peut-être, on dirait un iPhone. L'iPhone n'est pas vraiment au-dessus de tous les autres concurrents. Mais c'est un effet de mode et la pomme a bien aidé. Voilà, donc on passe tout de suite à un autre smartphone beaucoup plus récent, qui j'espère va être mieux noté, c'est le BlackBerry Z10. Donc, vous le connaissez, il est sorti il y a très très peu de temps. Donc, 560 euros, mais c'est un smartphone haut de gamme. Donc, là, encore, je comprends. Un écran de 4,3 pouces, donc c'est plus grand qu'un iPhone. Donc, il a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On voit beaucoup de pubs sur YouTube, d'ailleurs, à propos de ce BlackBerry Z10, de BlackBerry 10, le nouveau système d'exploitation en version 1. Il est très joli, il est très agréable en main, il est vraiment très très bon, ce smartphone. Donc, il a de très bonnes performances. On a une nouveauté chez les BlackBerry sur ce système d'exploitation qui est BlackBerry 10, qui en fait permet d'avoir ses applications, ses jeux, tout ça, dans une partie spéciale, donc normale, comme ça tous les smartphones peuvent le faire, et donc d'avoir une autre partie qui est le travail, qui est totalement séparée, où on n'a pas du tout les mêmes applications, et ça, bon, ça sert pas forcément, mais moi ça me pourrait servir par exemple pour séparer ce que je présente dans mes jeux et ce que je fais pour publier mes vidéos, enfin je sais pas. En tout cas, moi ça m'a bien plu comme système, c'est une bonne idée. Et l'arrivée de BlackBerry 10 qui manquait est une bonne source. C'est la première génération pour l'instant, donc c'est quand même la dernière génération de systèmes d'exploitation, contrairement aux autres choses qu'on a vues. Donc voilà. Donc ce BlackBerry mérite une très très bonne note. Et pour l'instant, il est troisième à avoir cette note. Et c'est la meilleure note, c'est un 18 sur 20 pour l'instant, qui est la meilleure note donnée à tous les smartphones pour l'instant. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un smartphone très joli. Il a un design vraiment très épuré, mais très sympa. Il a un clavier nouveau aussi qui, à ce qui paraît, vraiment bien. Donc voilà. Donc pour moi, ça mérite bien cette note-là. Ensuite, après cette très très bonne note sur le BlackBerry Z10, on passe au BlackBerry Torch 9800. Donc ce BlackBerry, il coûte 160 euros. C'est encore un peu plus raisonnable pour un écran de 3,2 pouces. Mais il est sous BlackBerry 6.4.0.4. Et ça, encore une fois, ça fait un point faible. Parce que normalement, c'était encore cher. J'avais dit d'un Acer de 3,2 pouces à 125 euros qu'il était cher pour cette taille d'écran. Tu avais mis un 15 quand même. Là, je mets un 13, donc je vous le dis, parce que c'est encore cher, surtout pour le système d'exploitation qu'on a là, quoi, un BlackBerry 6.4.0.4. Voilà, c'est limite. Voilà, donc on va finir tout de suite avec le tout dernier smartphone donc de chez BlackBerry, qui est le Storm 2 9520. Donc il coûte environ 115 euros, c'est encore mieux, je pense. Pour un écran 3,2 pouces, il est sous BlackBerry 8.0. Donc c'est plutôt récent. Donc c'est un bon smartphone, mais il y a pas mal de bugs qu'on connaît, qu'il est un peu cassable dès qu'il tombe, malgré que ce soit une coque en plastique.
Certains disaient presque qu'il était plus solide qu'un iPhone 4. Oui, je sais, c'est un peu exagéré. Quand on sait que l'iPhone 4 et l'iPhone 4S est totalement vert, mais voilà. Donc, à part ces bugs apparus sur certains modèles, hein, pas sur tous, je pense que c'est bien. C'est un bon smartphone, donc 4 sur 20 pour moi. Donc, on passe maintenant à la moyenne. Vous vous en doutez, elle doit pas être très haute. J'ai quand même mis la pire note depuis que je fais ce petit concours de 1 sur 20. Donc, certains diront que je suis méchant, peut-être un peu, mais quand même, ça commence à m'énerver qu'on mette des très très vieux systèmes d'exploitation sur des écrans 3,2 pouces qui font le double du prix normal du marché. Donc, voilà. Donc, la moyenne est de 11,1. C'est la pire moyenne pour l'instant, malgré le rattrapage du Z10 qui a fait un beau 18 sur 20. Donc, voilà. Donc, on se retrouvera bientôt pour la suite de cette saga. Donc, on ne sait pas encore vraiment qui c'est qui va l'emporter. Pour l'instant, le premier, c'est un Alcatel One Touch. Ensuite, l'iPhone 5. Donc, maintenant, normalement, je crois que c'est le BlackBerry Z10. Les iPhones sont plutôt pas mal placés. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce concours et même sur d'autres choses. Salut!